J'ai commandé ce parapluie X-Mund V3 parce que l'animation était jolie. Il semblait être complètement automatique. Et ben en réalité, c'est complètement faux. Effectivement, l'ouverture automatique, le déploiement automatique, la fermeture du chapeau automatique. Par contre, on voit que pour le rentrer, il y a une main. Et oui, il faut appuyer. Bon, ça on fait quand même plutôt un parapluie plutôt bien fini. Là c'est l'eau. Bon, il y a du vent, donc je vais enlever la petite capote qui est fournie avec et qui est plutôt difficile à remettre de toute façon. Donc un seul bouton. Comme je disais, il est plutôt lourd. Il est accroché avec un scratch. Qu'est-ce qu'on enlève ce scratch? Eh bien, c'est déplié comme ça. Ensuite, on appuie et voilà. Ça fait un très grand parapluie. On voit la qualité de fabrication est tout à fait correcte. Avec des ressorts de rappel, une belle finition un peu partout. Et si je rappuie sur ce bouton, et bien effectivement, il se referme en partie. Par contre, pour finir de le tourner, et bien, il faudra rappuyer. Donc en appuyant sur une surface ou en appuyant avec la main. Et pour l'extérieur, on voit qu'il y a une petite finition aussi. Voilà. Allez.